Eh bien salut tout le monde, c'est XBSK, aujourd'hui on se retrouve pour du Evilouvin, sûrement le dernier épisode. Et si vous voyez une différence de qualité sur l'image, c'est peut-être à cause du fait que j'ai changé d'écran récemment. Je me suis dit tiens, c'est bien beau le 23 pouces, ce serait bien de passer au 20... Ouf, un peu plus haut quoi. La cloche, elle les attire. Donc j'espère honnêtement que ça rendra bien. Pourvu que ce soit Leslie. Et que ça vous choquera pas. Enfin moi pour l'instant je suis un peu choqué, je vous avouerai. Ah ! Bon, il faut que je le rattrape avant ces créatures. C'est plus le piège ça, non ? Ah, c'est un piège, ça. Comment est-ce qu'on va passer en mode discretos, là? Ah, ça va être un peu difficile, là, je pense, non? De me spotter en fait. Hey, je suis là. Hey Tob. What? D'où t'es pas tombé? Oh merde. Allez. Mais cours, espèce d'idiote! Ah! Oh, je suis mort. Ah, je suis mort là. Totalement dead. Bon. Comment est-ce qu'on va faire ça? Vous voyez un chemin quelque part? Non, parce que regardez-les là, je peux pas y passer, on est d'accord. Ah merde! Putain, mais comment je vais faire? Je peux pas me planquer! Comment je puis supposer faire là? Il doit y avoir un truc quelque part qui permet d'avancer ou autre. Non, mais lâchez-moi là! Oh! Ça vous tuerait de me lâcher? La grille. Est-ce que je peux passer par la grille? Voilà, la grille c'est fait. Il y en a encore un qui m'en veut.
Oui, j'avais remarqué qu'ils étaient là, tu sais, je suis... T'es pas le seul à avoir des yeux. Bon, je trouve un moyen. Ah là. Il y a un monstre quelque part que j'ai une hache là. Ah, il doit y avoir un monstre quelque part, c'est obligé. Ma foi. Sens. Il est là. Et toi, gamin. Leslie, c'est fini. Ils sont partis, tu peux m'ouvrir. Fini. Plus de danger. On a eu chaud. Il est là. Je t'ai enfin trouvé. Et ils t'ont pas fait de mal. Il devient trop fort. Je peux pas partir. N'aie pas peur, Leslie. Comment je vais nous sortir de là? L'église? Pitié, pitié. Église. D'accord, en route. Reste avec moi. Je te protégerai. Et si j'ai pas envie de le protéger? Si j'ai envie qu'il crève? Après tout, c'est le mec qui a créé tous nos soucis, là. J'ai bien avancé, non? Ah, je peux pas courir de toute façon là. Hein? Je sais absolument plus d'où je viens là. Je suppose qu'il faut monter ici. La supposition la plus logique. Ouais, c'est la supposition la plus logique en effet. Regarde, Leslie. C'est plus très loin. Commence pas à faire ton nœud là. Et attendez, c'est fermé. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi que c'est une blague. Alors, on a ça ici. Alors, le fléau décima notre bêta. Après cela, beaucoup se sont ôté la vie. Bon. Merde. Leslie, va te cacher. Je t'appellerai quand ce sera fini. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ok.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il va y avoir un monstre qui va venir me péter la gueule? Disons que j'ai commencé assez jeune. Je me glissais dans le cimetière pour voler les statues et je les cachais. Je voulais faire croire qu'elles étaient maudites. Mais chaque matin, elles avaient repris leur place. Je vais m'en sortir toute seule. Je suis partie en me promettant de jamais revenir. Bon. Donc c'était quoi le truc? Un fléau décima notre bétail après que cela nous a ôté la vie. Ouais, un symbole ancré. Ma mère est partie de l'église. Pour l'église, j'avais 7 ans. Je suis parti en laissant seule une lettre. J'étais allé au paradis, j'avais 14 ans. Donc 14 ans, l'ange, je suppose. Je suis absolument pas sûr, hein. Ouais! J'ai ouvert la grille! On est presque à l'église. Ça devrait être un peu moins dangereux. Au secours! Au secours! Oh, c'est pas vrai! Oh putain, on reverse à quoi mort? Putain! Oh mon dieu, cette pression! Vite l'église! Ma liberté! De mal. L'église. Peur. De mal. Tout va bien. Je suis là. Personne ne va te faire de mal. On doit rester ensemble. C'est le seul moyen. Il est là! Ruvik, qu'est-ce que vous me voulez? Vous, je m'assure que vous faites votre travail. Tout comme moi, ils tiennent à ce qu'ils soient en bon état. Reculez! Il vient avec moi! Oh, mais j'espère bien. Inutile de vous rappeler les conséquences si vous échouez. Vos supérieurs ne sont pas les seuls à compter sur ce garçon. Vous avez besoin de lui pour vous échapper. Tout comme moi. Nous sommes leurs pions, puis leurs victimes. Ils m'ont tué. Ils m'ont découpé et récupéré ce qu'il leur fallait. Je vais détruire ce qu'ils veulent contrôler. Ruvik. Ah.
Je sens un conflit d'intérêts. Quelle est votre mission exactement? Vous croyez vraiment qu'il ne voit pas ce que vous faites? Il vous surveille. Kid. Qu'est-ce que vous faites, Kid? Vous devez nous ramener le garçon. Non! Je ne peux pas! Si Leslie sort de là, Revik le suivra! On ne sait pas de quoi il est capable! Je ne peux pas le laisser faire! Votre allégeance ne vous autorise pas à prendre ce type de décision. Ceci n'est pas un comportement acceptable. Vous allez nous ramener ce garçon. Vous pouvez toujours courir, Kid. Vous ne vous échapperez pas. Comme tous ceux qui vous posaient le défi, nous vous retrouverons. Venez, Kid. Vous avez une mission. Ça suffit. Obéissez. Non! Arrêtez! Laissez-moi tranquille! Vous devez nous ramener ce garçon. Vous avoir tous au même endroit nous fournira des opportunités. Je ne vous crois pas. Plus maintenant. Non. Elle vient avec nous. Je vais la former. C'est ma responsabilité. Écoute, Seb, il faut qu'on parle. Ça devient ridicule. Mais tout va s'arranger grâce à cette machine. On pourra poursuivre les expériences. Certaines choses doivent rester cachées. Beacon, j'espère simplement pouvoir y arriver avant lui. Attention avec cette arme, Kid. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Ce qui doit être fait. Waouh, on peut faire... Vous pouvez maintenant choisir le mode Kuruyami. Kuruyami ? C'est quoi ce mode ? Bon ben voilà, on aura fini The Assignment dans les temps. Pas trop mal. Parce qu'il y a... Parce qu'il y a The Consequences qui arrive très prochainement. Voire même aujourd'hui, je sais pas. Je sais plus, je crois que c'est le 21 qu'ils avaient annoncé. Bon maintenant il n'y a pas eu d'annonce de report, donc il devrait déjà être dispo. Mais on fera ça un peu plus tard.
Là, j'ai besoin de m'en remettre. Oh mon dieu, moi je vous dis un truc, allez-vous. Jouer sur un écran 23 pouces et puis sur un 27 pouces, c'est pas la même histoire. Oh mon dieu, on voit... On est un peu plus imprégné dans le truc, ça augmente un peu le stress. Enfin voilà, c'était donc Dia Silmon. Bon, sympathique, un peu court quand même pour le prix proposé. Et un peu énervant sur le fait qu'on doive la jouer uniquement infiltration. Non pas que je suis contre l'infiltration, mais je vous avouerai, c'est pas mon dada, je préférais The Evil Within, tout simplement parce que... Bah, au moins, dans le truc, en gros, c'était de la survie, mais on avait des armes. Donc au final, ce que j'aimais bien dans celui-là, c'était qu'on doit survivre, et on ressent quand même la pression, le fait qu'on n'ait pas de munitions, et qu'en plus, que quand on vise comme un pied, comme moi, avec une manette, bah ça renforce encore plus l'oppression, hein, parce que oui, moi je mets toutes mes balles à côté, j'adore ça. J'adore mettre toutes mes balles à côté quand je joue avec une manette. Donc voilà, moi je préférais ce petit côté de The Evil Within. Je suis pas très fan du côté totalement infiltration. Donc j'espère que pour The Consequences, on pourra au moins avoir des armes de temps à autre. Parce que sinon, j'ai pété un câble. Enfin voilà, sur ce, loulou, c'était la fin de The Assigned Mind. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de poutous partout. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de Rick'n'Roll, n'oubliez pas d'avoir là. Oui, attitude. Comme d'habitude, je trouve beaucoup pas ta chanson, que ça, je vous laisse, je vous fais plein de poutous partout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, et boti boti. Peace.